belle interface, pas besoin de mot de passe, pas besoin de login, quoi que ce soit. On démarre avec une session par défaut. Donc, démarrer la session par défaut, voilà. Me voilà directement avec PeerOS 8. Alors, je peux faire directement mes mises à jour, installer les mises à jour. Je peux aller sur les icônes du bas, par exemple l'explorateur de fichiers qui me présente directement l'explorateur de mon PC. Je peux aussi bien aller dans le Windows 7, un deuxième disque dur du PC, aller dans l'utilisateur, entrer dans les bureaux directement et voir mon contenu. Par exemple, j'ai envie d'écouter de la musique qui se trouve dans mon autre disque dur. Ben, je vais dans la section musique, voilà. Je sélectionne n'importe quoi, on va dire Cyndi Lauper, tiens, voilà un exemple. Voilà, yes. Là, l'ordinateur sous Linux charge toutes les musiques pour démarrer. Encore mieux, je n'ai pas pensé que j'avais ici l'équivalent d'iTunes, un faux iTunes, quoi. Choisir le répertoire, je vais lui indiquer le disque dur, l'utilisateur master, le répertoire musique et ouvrir, voilà. Là, il charge en un rien de temps toutes les musiques qu'il y a dans le disque dur de Windows 7 et il me présente une super interface de musique que je peux écouter en direct, voilà. C'est vraiment bien fait. Je vais aller sur Internet. Alors, voici un exemple de ce qu'il y a. Les icônes en bas qui ressemblent à Mac, mais c'est pas Mac. Hein. Je clique sur Internet Explorer, enfin sur Firefox, excusez-moi, voilà. Firefox s'ouvre. Je me retrouve avec un navigateur. Alors, pourquoi c'est pas venu comme par hasard hein? J'ai dû faire une mise à jour qui fait que ça m'a bloqué certaines choses. Mais bon, enfin, à la base, le système fonctionne très bien. Voilà, je vais l'éteindre. Suspendre, restart, shadow.